Toujours en image, le gouvernement kényan a approuvé en Conseil des ministres un projet de loi pour échanger les modèles de gestion de ces chemins de fer en séparant distinctement les opérations de transport de marchandises, de transport de banlieue et d'aménagement du territoire. Cette mutation vise à drainer des capitaux privés afin de remédier au sous-investissement dans le sous-secteur ferroviaire.